Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, le programme est chargé avec l'aliasing, le clipping et le lag. On pouvait pas faire trois vidéos? Non, on pouvait pas. L'aliasing, le clipping et le lag sont des problèmes techniques issus de limitations matérielles qui produisent des effets indésirés dans des jeux. Mais si je me souviens bien, on a déjà fait un dico sur les bugs. Oui, mais là, c'est un peu différent. Un bug est un problème plus ou moins imprévu par les développeurs. Cela veut dire qu'une action du programme informatique ne se passe pas comme prévu, souvent à cause d'une erreur humaine. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les problèmes qui sont connus à l'avance et dont les développeurs doivent tenir compte dans leur travail en essayant de les contourner ou de les atténuer. Ok. Si on reprend dans l'ordre, c'est quoi l'aliasing ? C'est exactement ce qu'on voit en ce moment. Pour être précis, sans rentrer dans les détails, l'aliasing intervient lorsque deux signaux interfèrent entre eux, créant du bruit. Concrètement, et pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, l'aliasing dans le jeu vidéo se manifeste par des rendus graphiques de mauvaise qualité. Par exemple, on va voir des contours de personnages pixelisés, donnant un effet de crénelage là où le modèle du personnage est lisse. De nos jours, l'effet est très faible grâce à différents systèmes anti-aliasing ainsi qu'à la puissance de calcul des machines actuelles, et c'est seulement en zoomant dans l'image comme peut le faire la chaîne Digital Foundry qu'on va bien voir le phénomène. Et pour le clipping, tu vas aussi faire un effet littéral au montage ? Malheureusement non, il nous faudrait un studio plus grand. Le clipping désigne l'apparition ou la disparition soudaine d'un élément du jeu à la vue du joueur. On pensera tout de suite aux GTA dans lesquels on voit les immeubles au loin apparaître quand on s'approche. Cette technique est donc utilisée pour gérer la profondeur de champ affichée et ainsi éviter de garder en mémoire tous les éléments d'un jeu. Le clipping n'arrive d'ailleurs pas que sur les éléments au loin, il arrive parfois que le joueur soit arrêté par un élément de décor qui n'est pas complètement chargé dans des jeux avec des véhicules rapides. Pour contourner le problème, les développeurs de chez Guerrilla Games ont mis au point un nouveau système dont on avait parlé dans le dico des IA. Les développeurs plus feignants attendront simplement l'arrivée des disques durs SSD et des plus grosses capacités de mémoire. Et pour le lag, tu fais quoi ? Ne t'inquiète pas, le montage s'en occupe. Le lag représente un décalage entre une action réalisée par le joueur sur son contrôleur et la réalisation de cette action dans le jeu. Cela peut arriver dans un jeu solo si le traitement des actions sur la manette prend trop de temps, par exemple dans des vieux jeux, parfois à cause d'animations trop lourdes et trop longues. Le plus fréquemment aujourd'hui, on parle de lag dans le jeu en ligne. Cela arrive lorsque vous avez une mauvaise connexion au serveur de la partie et que votre personnage agit quelques dixièmes de seconde après que vous ayez appuyé sur votre manette. Dans un jeu nerveux et compétitif, comme un FPS ou un jeu de course, cela peut vous empêcher de jouer convenablement. Et pourquoi on fait ces trois définitions en même temps ? Parce que c'est plus pratique. En réalité, il existe bien plus de phénomènes que les développeurs connaissent à l'avance et doivent contourner, et il nous faudrait des heures pour tout couvrir dans le détail. On peut donc citer la baisse de framerate qu'on avait évoquée dans le dico FPS 2, le tearing qui découpe l'image affichée si la console n'est pas synchronisée avec l'écran, le temps de rendu des textures qui pourrait être vu comme un cas particulier de clipping, ou encore le netcode qui consiste à gérer la synchronisation d'un jeu en ligne entre les différents joueurs. Ces problèmes sont plus ou moins importants, du simple inconvénient graphique à la brèche de gameplay que les joueurs vont s'empresser d'exploiter pour gagner un avantage sur les autres. Ce sont en tout cas des problèmes bien connus des développeurs qui doivent trouver des moyens de les contourner ou de les résoudre, même si certains s'en remettent aux améliorations de matériel pour masquer leur incompétence. Nous voici à la fin de cette page du Lico avec un programme chargé mais un résultat plutôt court. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager ou à commenter si vous avez des choses à redire sur cette définition. Sur ce, ciao et à la prochaine.